et avec nous en studio Manon Aubry. Bonjour Madame Aubry. Bonsoir. Députée européenne de la France Insoumise. On va donc parler avec vous de cette réunion qui a commencé comme prévu à 17h30 avec les chefs des partis du nouveau Front Populaire. D'abord sur l'actu du jour, vous demandiez un coup de fil dès aujourd'hui éventuellement d'Emmanuel Macron. Vous avez appris ce matin comme nous tous que Gabriel Attal était maintenu en attendant quoi je vous pose la question. D'abord, quelle est votre réaction à ce maintien en poste de Gabriel Attal ? Écoutez, manifestement, Emmanuel Macron n'a pas bien compris ce qu'il s'est passé hier soir. Hier soir, le nouveau Front Populaire l'a emporté dans les urnes, est arrivé en tête, a déjoué tous les pronostics, tous les sondages, a soulevé, je crois, un espoir immense dans le pays, et est arrivé premier. Et aujourd'hui, le moindre du respect de la démocratie serait de nommer un Premier ministre issu du nouveau Front Populaire. Et je suis très surprise de cette annonce de Gabriel Attal qui reste en poste malgré en plus sa démission. Et si c'était confirmé dans les jours à venir, j'ai pas d'autre mot, ce serait un coup de force démocratique. Qui devait-il appeler aujourd'hui et il n'avait pas de nom à vous proposer et vous n'aviez pas de nom encore à lui proposer non plus. Qui l'aurait dû appeler d'abord ? Il aurait eu le même son de cloche de la part de l'ensemble des forces du nouveau Front Populaire qui, ensemble, nous avons mené la bataille ces quatre dernières semaines dans des conditions et un contexte de campagne quand même assez inédit dans notre pays. Ensemble, nous avons su déjouer les pronostics et surtout rallumer un peu tous les soleils, comme le disait le grand Jean Jaurès, pour rallumer les espoirs dans les têtes et les cœurs de millions de Françaises et de Français. Et j'insiste là-dessus parce que je pense à tous ces gens que j'ai croisés hier soir, qui étaient en larmes, souvent en larmes de joie, de soulagement, partie de la jeunesse, celles et ceux aussi qui auraient subi les premiers les effets de la politique d'extrême droite. Et qu'est-ce qu'on va dire à ces gens si ce n'est pas un gouvernement du nouveau Front Populaire qui est formé ? Que leur vote ne compte pas ? Qu'est-ce qu'on va leur dire la prochaine fois pour faire campagne, pour voter, pour faire barrage au Rassemblement National, si le bloc politique qui est arrivé en tête, on ne lui confie pas les rênes du gouvernement. Mais c'est la pression qui est aussi sur vos épaules, parce que les électeurs du nouveau Front Populaire qu'on interroge sur RTL, ils disent en substance, cette fois-ci, rigolez pas, la NUPES n'avait pas tenu très longtemps, vous étiez disputé très rapidement. Cette fois-ci, si vous faites éclater votre alliance, c'est votre responsabilité aussi pour le prochain appel éventuel à un Front Républicain. Vous êtes d'accord avec cette position ? Je suis assez d'accord avec ça. Pas forcément sur le constat, on ne va pas refaire l'histoire de la NUPES. Vous savez que j'ai été de celle qui n'a eu de cesse de prôner une liste commune de la NUPES aux élections européennes, précisément pour éviter la fracture de la NUPES et le scénario de dissolution qu'on a connu, mais on ne va pas refaire le passé. Ce qui compte maintenant, c'est le présent. Et je veux être, et nous devons être collectivement les garants de l'unité. Pour être les garants de l'unité, il faut que l'on puisse parler d'une voix commune. La bonne nouvelle, c'est que notre voix commune qui porte le plus, c'est d'abord notre programme. Et qu'en toute hypothèse, quelle que soit la figure que l'on mette à Matignon, ouais, la première chose que notre premier ministre ou notre première ministre, aussi ça peut être une femme, fera, c'est d'abroger la réforme des retraites, d'augmenter le SMIC à 1 600 € net, de bloquer les prix des produits de première nécessité. Bref, changer la vie, soulager les gens de manière immédiate. Mais votre programme, on le connaît, vous avez fait campagne, il n'a pas changé entre hier et aujourd'hui. La seule chose, il ne changera pas non plus si on est au pouvoir, et c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc en l'occurrence, la seule chose qu'on ne connaît pas, c'est le nom qui va l'incarner. Est-ce que c'est l'enjeu d'abord, pour être très clair? On verra les noms, on va évoquer les noms, mais est-ce que vous nous dites ce soir, l'enjeu de cette réunion, c'est de sortir avec un nom, je disais tout à l'heure en titre, est-ce qu'un nom va sortir du chapeau ? Est-ce que tout à l'heure, dans une heure, on aura une proposition commune du NFP ou pas ? Faisons les choses dans l'ordre. L'enjeu, c'est d'abord de se mettre d'accord sur des méthodes de travail communes issues du rapport de force des urnes. Évidemment qu'on a travaillé ensemble les dernières semaines, mais on ne pouvait pas savoir exactement combien de députés aurait chaque force politique du nouveau Front Populaire. Donc ça fait partie des choses que nous allons discuter ensemble pour trouver des méthodes de fonctionnement. Parce qu'il ne s'agit pas que de décider du Premier ministre. Il s'agit de décider de la formation d'un gouvernement qui doit tenir compte de ces équilibres-là et souffrir ces quelques heures. Parce que, je vais vous dire, moi, je ne vais pas être de celles qui
va s'amuser comme un jeu de qui est-ce. Vous savez, là, tout le monde connaissait le jeu quand on était petit. Ouais. Est-ce qu'il a une moustache ou pas? Est-ce qu'il a des lunettes ou pas? Est-ce qu'il est brun ou pas? Et j'ai dit que il, mais ça peut être elle aussi. Et c'est pas un jeu. Là, c'est la vie des Françaises et des Français. Donc, je ne veux pas fracturer le nouveau Front Populaire et je veux qu'on arrive avec une proposition consolidée qui soit une parole commune. On n'aura pas forcément de nom ce soir. Pas forcément ce soir, mais vous les aurez dans les prochaines heures. En tout cas, c'est notre objectif. On a quelques jours pour réussir à proposer un traduire concrètement ce chemin d'espoir qui a été ouvert par le vote des Françaises et des Français. Et je dois dire que la première chose à faire de la part du président de la République, c'est de tenir compte du verdict des urnes et le respecter. Les macronistes ont perdu cette élection. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, d'ailleurs, au vu de leur stratégie politique. Mais ils ont perdu. C'est au nouveau Front Populaire que revient la responsabilité de faire un gouvernement. Dernière question là-dessus. Mais on a eu différents représentants du NFP depuis hier soir sur l'antenne d'RTL. Donc on a entendu Raphaël Glucksmann, d'ailleurs, ici ou ailleurs, dire que Jean-Luc Mélenchon ne serait pas Premier ministre. À nouveau, il l'avait déjà dit. Mathilde Panot, ce matin, a dit qu'il n'était pas disqualifié. Marine Tondelier était un peu entre les deux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir? Toute une journée est passée. Est-ce qu'il est disqualifié? Est-ce qu'il peut encore être Premier ministre? Je veux dire que nous avons la chance d'avoir plusieurs possibilités entre nos mains, y compris au sein de la France insoumise, et que je ne veux pas contribuer à diviser notre camp politique. Vous avez bien compris que si je m'amuse à dire un nom là, et puis une autre personne dit un nom dans une heure, et une autre personne dit un nom dans deux heures, évidemment que ça va nous affaiblir. Et on ne peut pas, on n'a pas d'autre choix. Toutes celles et tous ceux qui le feraient, et je veux lancer l'alerte assez solennellement, et c'est aussi un avertissement à tous mes camarades et collègues de gauche. Ne faites pas ce jeu-là. Nous allons en sortir collectivement perdants, nous, forces politiques de gauche, mais avant tout les Françaises et les Français qui ont placé leur confiance et leur espoir en nous en votant massivement pour nous hier. Expliquez-nous comment ça pourrait se passer avec vous en majorité relative à l'Assemblée nationale. On a un sondage qui vient de sortir à Harris Interactive pour RTL avec des Français qui demandent une alliance, plus de collaboration entre les différentes forces politiques. Vous, c'est totalement exclu d'avoir d'autres personnes que le NFP, ou vous êtes ouvert à ce que des gens vous rejoignent, à modifier votre programme pour aller chercher d'autres personnes? Ou alors, si ça n'est pas le cas, comment vous faites demain pour faire voter un budget avec une majorité quand même, somme toute, très relative? La question, c'est pourquoi faire? Et ça ne vous aura pas échappé qu'on a fait campagne, notamment sur l'abrogation de la réforme des retraites. Et si demain, on venait proposer la retraite à 66 ans, ça n'aurait aucun sens. Et j'ai un scoop pour vous. Je pense que si nous arrivons au pouvoir, la toute première chose que ferait notre Premier ministre ou notre Première ministre, c'est d'abroger la réforme des retraites. C'est un décret, c'est pris en une heure. Je ne pense pas qu'il y aura une mobilisation massive dans la rue pour dire « Non, la réforme des retraites, c'était formidable, gardez-la absolument !» Je pense que quand on avait 90% des salariés qui étaient opposés à cette réforme, ce serait une mesure qui serait extrêmement populaire. Vous avez beaucoup critiqué Elisabeth Borne et le précédent gouvernement qui n'avait pas de majorité non plus de légiférer soit par décret, soit par 49-3. Vous allez faire la même chose? On n'est pas dans un modèle démocratique de vote à l'Assemblée, là, pour le coup. Critiqué pour ne pas tenir compte de ce qu'il se passait dans le pays. Et en l'occurrence, la réforme des retraites était massivement rejetée dans le pays. On a tous la mémoire un peu fraîche, quand même, de ces mobilisations massives, de ces grèves massives qu'on n'a pas connues depuis si longtemps. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de mesures qui me paraissent nécessaires, y compris pour réunir le pays, et que ce sera plutôt de sorte à maintenir une forme de stabilité, un cap pour le pays. Comment vous savez qu'il y a une majorité de Français contre la réforme des retraites? C'est une autre des options dans notre besace. Si on veut gouverner différemment, je pense qu'il faudra reparlementariser la vie politique française. Ce qui veut dire aussi, parfois, faire appel à des référendums sur des éléments essentiels de notre politique économique et sociale, pour ne citer que cela. Tout l'inverse de la forme de brutalité avec laquelle a gouverné Emmanuel Macron lui-même. Alors justement, vous avez dit au début de cette interview que vous aviez conscience de la responsabilité qui était la vôtre. Est-ce qu'il faut changer aussi dans votre manière d'aborder votre travail parlementaire? Parce que vous avez été critiqué aussi pour le côté coup d'éclat permanent, l'hystérisation, j'allais dire entre guillemets, bien sûr, des débats, les clashs incessants à l'Assemblée, qui peuvent faire peur, on le voit dans les sondages, à une partie des Français. On vous le reproche d'être trop brutal aussi, presque, dans votre façon d'exercer le pouvoir, ou en tout cas d'exercer l'opposition. J'ai un autre scoop pour vous. Je pense que, quoi qu'il advienne, on sera caricaturé dans notre manière de faire. Mais est-ce qu'il faut changer? Nous serons caricaturés. Je pense que ce qui est brutal dans la vie des gens, à l'heure actuelle, c'est d'abord de subir le coût de la vie au quotidien, l'augmentation des prix qui a augmenté les denrées alimentaires, le prix des denrées alimentaires qui a augmenté de 20% en l'espace de 2 ans, et les salaires qui n'ont pas suivi. Ça, c'est brutal. Et face à cette brutalité,
brutalité sociale, nous, on veut agir. Et on n'agit pas parce qu'on l'a décidé, on agit parce que c'est le nouveau Front Populaire qui est arrivé en tête hier dans les urnes. Donc, rassurez-vous, ça se passera très bien, mais je pense, et c'est l'histoire aussi et la référence au Front Populaire, je pense qu'il faudra aussi une mobilisation massive de la société civile, que je veux saluer aussi, parce que les syndicats sont mis en mouvement, les associations sont mis en mouvement, la force de ce nouveau Front Populaire, et c'est peut-être aussi la différence par rapport à la NUPES, c'est qu'elle dépasse largement le cadre politique, et c'est plutôt une bonne chose, de mon point de vue, que tout le monde s'en mêle. Moi, j'invite à ce que tout le monde s'en mêle. Faites des comités locaux du nouveau Front Populaire, emparez-vous du nouveau Front Populaire pour vous assurer que ce qu'on a créé, cet espoir qui s'est levé, il ne retombe pas, en tout cas, il ne retombe pas jusqu'à temps que ces mesures aient été appliquées de manière concrète. Merci beaucoup. Merci à vous. Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise, merci d'avoir été avec nous sur RTL ce soir.